Yo les gens, c'est Skywalk et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de de Might and Magic Hero 5. Dans cet épisode, je pense qu'on va terminer un peu ça, terminer cette mission qui est un peu longue quand même. Attends, c'était quoi nos objectifs en fait? On va les faire ces objectifs, mais voilà, ça on va l'envoyer là-bas. Et voilà, faut être patient un peu. Ouais, donc là, on va essayer de tout prendre. Ça difficile. Ah ouais. Ah oui, j'avais pas vu comme ça en fait. Ouais, c'est difficile effectivement. Fuck les objectifs secondaires, hein. Prochain tour, on réduit toute leur ville à néant. Ah, j'ai super chaud. Regardez-le qui arrive, ce fils de pute. Je vais prendre son château, il va rien comprendre. Allez, bouge. Faut qu'on en finisse. Ah,
Eh, moi, il en manque une. Faut que je trouve leur capitale et que je les détruise. Aussi simple que ça. Allez. On va essayer de tuer le plus de soldats possible, hein. Non, on essaie surtout de lui faire dépenser de la magie en fait. Parce que si à chaque fois il dépense de la magie, nous c'est bien. Parce que j'ai... Allez, la magie, dépense, dépense. Sinon, je reviens 3 tours en arrière et. Je sais pas ce que je ferais, mais.
c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Du tout. Et si je charge ma bite? Attendez, parce que cette vieille sauvegarde là, je pense que c'était bien, mais c'est une vieille sauvegarde. Je m'en balais qui te les des villes là, puisque j'aurais gagné de toute façon. Ah, je veux juste win. T'inquiète même pas qu'on va win en fait. Hop. On va essayer de se battre pour le mieux, mais... faire des dégâts. Ça prend cher. Un gros zoom sur sa queue. Thank you.
Oh yes. Mec, il a tué les troupes à lui pour faire ça. C'est comme ça, il est obligé de tuer des troupes à lui, regardez. C'est pas mal. J'en prends un dessin. Encore une vague là. Non, je pense pas. Allez, survie juste là. Non, je pense pas qu'il va survivre, mais bon. Non, tant pis. Bon. Ça va rien de venir ici en fait. Je suppose qu'elle est là la citadelle, hein. Mais c'est une supposition. Tu passes par là d'abord. Ils rentrent chez eux, j'ai l'impression qu'ils se sentent menacés. Cassez-vous là, laisse-moi passer. Si vous pouvez se casser, ça serait cool. Alors lui, il faudrait vraiment qu'il se casse. Ok, il s'est imposé. Parce qu'il a vu que je venais. T'inquiète pas, j'ai vu. Bon, j'imagine que certainement après ces trois palissades, elle doit y être, sa capitale. Et vu la gueule des murailles, j'ai vraiment peur. Ah.
Quel sublime spectacle! Un millier de marionnettes sans âme, dénuées d'espoir ou de crainte, entièrement soumises à ma volonté. Oh, oh, j'en ai les larmes aux yeux. Oh, oh, il y en a partout. On sent légèrement quand même. On sent que c'est plus dur, mais bon. Un tout petit peu. Voilà ce que ça fait, 1K. Là il y a un peu de monde mais ça a l'air toujours d'être des gros Starlouz, hein. J'ai pas vraiment peur. Mal par contre.
tout le monde descend. Allez. Vil Cyrus qui s'échappe en usant des pouvoirs de ce charmant anneau. Mon anneau, je le lui reprendrai, avec ou sans le doigt qu'il porte. Mais pour cela, il va me falloir plus de puissance. Une vingtaine de dragons squelettes devraient permettre d'équilibrer un... Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je pense qu'on va arrêter là. C'était vraiment un truc cool, mais je pense qu'on va arrêter là pour le prochain épisode. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ici à la prochaine vidéo. Bye. Yo les gens, c'est Skywhite et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. La suite, j'espère, de ce magnifique let's play. Ça commence à se faire un peu long, je vais pas vous mentir. Mais bon. Déjà, on va vaincre cette citadelle. Ça sera déjà bonne chose de fait. Moi je parlais pas trop. J'ai plus de focus là. Bon, on va les niquer, vous inquiétez même pas. Ah, les fantômes se cassent juste pour ça. Hein.
oui, l'autre il ragnait. Attendez. Ok. 20 dragons squelettes. C'est parti. Je vais juste recruter tous ceux qui sont là. Pas de chance, ils sont tous cassés alors que j'étais juste là. Faire pas les couilles, on a perdu une liche, c'est comme ça. J'ai vraiment envie de speed là. Voilà, pas de chance, vous avez perdu, mais c'est bon. Là, il faut, c'est leur seule base, donc évidemment qu'ils vont la protéger comme comme des malades. Après là, j'ai une bonne armée, hein. Moins bien que celle-ci, hein, mais. C'est le vaincre, ok. Et ben putain, cette aventure, comme elle a duré longtemps, je m'y attendais pas. Hein. Oh, toi, tu croyais que j'allais te passer devant comme un trou de balle. T'es fourré le doigt dans l'œil. Oh, bah les couilles, hein, de l'autre. Ça, c'est tous tes tirs sont comme si c'était prêt, c'est vachement mieux. Allez, c'est parti. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ça. Et je vais aller reprendre le château là-bas. Parce qu'il me semble qu'ils sont pas de château, ils ont perdu. Enfin, ou ils meurent ou un truc comme ça, je sais pas. Enfin, pour faire un truc de chat et de souris, quoi.
pas envie qu'il aille récupérer ses châteaux là-bas, du coup autant revenir là. Comme ça je les force à revenir. Comme ça je les force à revenir et moi je peux tranquillement faire ce que je veux. Oh bah faible, c'est parti. C'est bon. Oui, il pique un peu quand même, mais bon. Est-ce que j'ai pas un sort pour ressusciter les cadavres ici? Sûr que si. Est-ce que par contre ça va durer? Normalement, par logique, ils vont être obligés de... Ok, ils s'en battent les couilles. Pourtant, je crois que c'est la fin de la semaine, mais ok. Premier calcul, normalement, dans une partie normale, quand tu prends le château de quelqu'un et que c'est la fin de cette semaine, par exemple, ça fait tchac, il meurt. Mais après, peut-être que pas du tout, hein, mais normalement, c'est ça. S'ils ont aucun château, bien sûr. J'aimerais bien tous les voir mourir, ce serait cool. Ah non, bon, tant pis. Tu peux toujours courir, Cyrus. J'ai mes dragons. Le sable s'écoule bien vite dans ton sablier. Terminé, félicitations, mission accomplie. Et ben putain, il était temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, putain, j'espère que cette campagne vous a plu. Elle était très longue, je vais pas vous mentir, mais bon, elles en valaient la peine. Je suis vraiment fatigué, j'ai vraiment mal à la gorge, je suis désolé. Et c'était seulement la mission 3, c'est-à-dire 4 et la mission 5. Donc voilà, on se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo, un nouveau truc. Et bien je vais prendre ça, je pense. Allez, bye.